Look, what in no way I made a way. Call my lane, I paved the way. Bienvenue dans Riche vs Pauvre sur GTA 5. Avec Eden, on a eu la place de pauvre, forcément, on est les pauvres. On a un budget de 100 000 $ pour pouvoir acheter un appartement, acheter une voiture et une tenue pour pouvoir tout simplement eh bien, débarquer en ville. La salle, quant à lui, c'est le riche, eh bien, il a un budget illimité. Pauvre vs riche pendant 24 heures sur GTA 5, c'est maintenant. Abonnez-vous, pouce bleu, activez la cloche. Pour conquérir cette ville, en fait, on recommence à zéro, quoi, limite, quoi. Bah ouais, effectivement, mais déjà, tu veux pas qu'on récupère au moins les sacs qu'il y a là, parce que les gens les ont abandonnés, donc ce serait bien qu'on les récupère. On va récupérer nos sacs, les gars. Bon, on a 100 000 de budget, mais comment on va faire 100 000 de... Wouah, regarde le taux de ces morts. Wouah. Eh, hey, monsieur, monsieur, votre voiture, elle est trop belle. Attends, je vais le prendre en photo parce qu'un jour je vais l'acheter celle-là. Magnifique. Retourne chez ta mère. Ouais, le monsieur il a les yeux rouges et tout, ça se voit que c'est un riche. Underworlds. What the fuck. Mais quoi, comment c'est, il nous insulte lui, c'est un ouf lui. T'imagines ça. Quoi. Non, bah attends, t'es un ouf lui, mais viens, on va se bagarrer, t'es un ouf. Ah, mais c'est beau, c'est pas parce que t'as de l'oseille que voilà. Hein. Ouais, vas-y. Tu sais, c'est qui mon père? C'est qui ton père, c'est qui? Tu sais, c'est qui? Vas-y, dis-moi c'est qui. Alors voilà. Parle pas. Ouais. Arrête de faire le malin, moi j'ai pas... Ouais, nous on a 100 000, t'inquiète pas mon pote. Ouais, moi je me barre, moi je traîne pas avec des bolos. Bon, Eden, faut qu'on achète pas attends, du coup notre... Attends, il est parti ou pas? Il est parti, j'ai eu peur. J'ai fait le mec et tout, mais j'ai eu peur en vrai. Faut qu'on achète notre appartement, ah oui. Bah ouais, parce que c'est le premier truc qu'on fait quand on arrive, on va pas à l'hôtel, on achète direct nous. Ouais, alors on a 100 000 de budget. Donne-moi la main, je vais être rassuré. Voilà, passe-moi voir tes 50 000 là en cash, quoi, t'as là. Hop. Merci. Tiens. Allez. Ils sont les balances. Tiens, je te le mets dans le caleçon, y a rien de mieux. C'est okay. Zone sûre. Alors, hop, qu'est-ce que c'est comme appartement? Mais tu sais qu'il y a des super promos là, j'ai vu une affiche là. Genre, en gros, ils t'offrent un appartement si tu passes sous le bureau, t'as pas vu? Waouh! What the fuck? Non, mais y'a un appartement, les gars, à 0$! Ouais, mais faut voir la gueule qu'il a, hein, frérot. Bah, frère, on va le prendre. Hé! Hey. Mais... Ah, attends, je sais pas quelqu'un qui me... Ouais, qui c'est qui m'a parlé comme ça? C'est lui? Ah non, c'est la dernière personne qui m'a parlé comme ça! C'est lui! Non, c'est lui! Bouge pas, j'ai dit! Non, j'ai pas. Ah merde! J'ai visé la tête! J'ai aimé quand même. Et je vous le dis, hein. Mon frère, c'est Spider-Man, regardez, il m'a appris. Wouah, c'est un Avenger. Wouah, je suis sûr, il faisait partie des Avengers, je suis sûr et certain. Bon, du coup, Eden, on a 100 000, ok, donc 100 000 de budget. Attends, j'essaie de. Attends, bouge pas, juste deux secondes. J'essaie de mettre sur SFR Wi-Fi public. Ouais, c'est bon, vas-y. Ok, alors vas-y. Hop, c'est bon, t'es connecté. Je connais ta Wi-Fi personnellement, la Wi-Fi de l'aéroport. Ouais, moi aussi, ouais. Croissant, et bah du coup, les gars, on a une maison à 0$. Je sais pas pourquoi, sachant que j'ai regardé tout à l'heure, l'appartement moins cher de GTA 5, c'est 80 000. Mais là, on a une offre à 100 000, on va en profiter, les gars. On s'achètera un plus beau véhicule. Hein, parce que du coup, je rappelle que vous avez vu dans l'intro, on doit acheter des tenues, une voiture et un appart. Et bah, écoutez, donc, je vais acheter l'appartement à 0$. Ok, magnifique. Ah, du coup, on l'achète pas, du coup. Et où est-ce qu'il est sur la map là? Ok. Mais bon, j'appelle un taxi pour y aller quand même. Appelle un taxi. Par contre, ça se passe bien de votre côté, le riche? Ouais, je suis pas avec toi. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ok. Vas-y, monte. Ouais, attends. T'es monté? Ah, moi c'est bon, mais du coup, il est où le repère? Je l'ai mis là. C'est bon, je l'ai mis. Vas-y, mais j'ai pas assez pour payer le taxi, faudra sauter à la dernière minute. Hein. Wow. C'est bon, t'es bon, t'es dedans, t'es avec moi là? Je suis avec toi, vas-y. Ok, c'est parti. Let's go, les gars. On n'a pas d'argent, forcément, on utilise le taxi, hein, vous doutez bien. Monsieur, vous inquiétez pas, on va vous payer. Mon pote à côté, il a beaucoup d'argent dans son caleçon. Un petit supplément, il a dit un petit supplément. Ah bah attends, bouge pas, je vais devant. Monsieur, je monte sur la banquette. Hein. Ok, par contre, le riche qu'on a vu, on n'a plus de nouvelles de lui. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu fais, frère? Oh, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Mais il a demandé un supplément? Attends, mais je te dis dans l'oreille, mais t'inquiète. Saute quand je te le dis. Ah ouais, mais fallait le dire avant parce que là j'étais en train de manger ma glace. Du coup, je referme la glace, je la remets dans la.
Je l'ai trouvée à l'aéroport, elle était en train de fondre par terre. Ouais, t'inquiète. Il a une tête bizarre, t'inquiète pas, on va sauter. Faut voir sa tête. Ah ouais, il a une tête bizarre, hein. Regarde-moi voir. Ouais, attends, je te regarde, attends. Ah bah, je suis bien. Ouais. Ouais. Donc, quand je te dis, tu sautes. Ok. Vas-y. Ah, par contre, Ouais. Enfin, attention, si on croise le riche, voilà quoi. Avec ses Lamborghini tout à l'heure là. Ah, il est derrière le riche là, je le vois. Budget limité. Ah, mais le riche il est derrière nous. Ah, il est ouais, derrière nous. Ah, le passage, hein. Oh, laissez-moi le passage. Hein. Hey, on me laisse passer ou merde? Ouah, Rico le Roquet, je ne vois pas. What the fuck? Hey, allez, mets-toi sur le côté là. Moi je suis riche. D'accord? Et toi t'es pauvre. À mon avis, il va pas t'entendre le chauffeur. Hein. Il est déçu. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Et par allez, l'anglais, mettez-vous sur le côté. Il parle anglais, nous, le taxi, monsieur. Il m'emmerde. Tu peux nous déposer ou pas? Tu peux nous déposer ou pas? Monsieur. Mettez-vous sur le côté. Right, and the put you hands up. Ok. Sors. J'ai pas payé. Wow, mais qu'est-ce que je vous ai dit, vous, là? Hein, vous deux? Je vous ai dit quoi? C'est bon. On a une voiture, t'es mal. Il a pris. Mais c'est non. Que... Le monsieur il m'a dit, il me prête la voiture et tout. Non mais monsieur, nous on veut pas trop mal avec vous. Oh vas-y. Hey, non. Rends-moi ma caisse. Je voulais juste voir dedans, monsieur. Je voulais voir bande dedans. Bande de voleurs. Viens, monte. Faut qu'on le fasse. Vas-y, attends. Monte. Bah du coup, il nous a prêté son taxi, je le connais, je lui rendrai plus tard. Ah ouais, what the fuck. T'inquiète, par contre j'espère qu'il va pas prévenir la police hein. Attends, je peux mettre la radio un peu ou pas Edwin? Parce qu'il y a la radio. Ouais, je vais mettre Cheb Hadid. Oh. What the fuck, c'est quoi ça? Oh, dira abonne-toi à la chaîne de nuit. Eh les bonos. Ouais. C'est pas nous. Ouais, je bicrave des tours de magie, vous en voulez? Bah on veut, ouais, on veut. Ouais. Ouais. Ok, alors, je vous explique. Je vends des tours de magie, mais c'est de la magie noire. Et t'as fait disparaître ton t-shirt, du coup? Ouais, c'est interdit d'être utilisé dans la ville, vous comprenez? Ouais, c'est pas, nous aussi, on a vendu notre t-shirt, mais parce qu'on devait payer des billets d'avion. Ouais, on a pris le stick minimum, quoi. Ah ouais, donc vous avez pas d'argent? Bah non, regarde, on est pieds nus, putain j'ai mal, ça me brûle les pieds. On a tenu un peu d'argent alors. Quoi? Je vous en donne un peu. Mais pourquoi il a des sacs, Ouais, c'est quelques billets quoi, c'est histoire de s'acheter à manger. Ouais, bon, je vous explique. Moi, je fais des tours de magie. Et paf! Ouf, toi! Je vous avais prévenu! Oh, vas-y, monte. Attends, je fais la bagarre avec lui! Monte. Vas-y, roule! Putain! Oh, elle nous cavale! Ouais! Vas-y, bombarde! Mais what the fuck, c'est qui ça? Je sais pas, il nous cavale là. Ouais, il va vite lui, hein! Ouais! Vas-y, attention au bus! Fonce! Bon ok, on va présenter l'appartement, parce que là il nous cavale le truc. Oh, t'as vu le bus? Ouah. Le bus. Ouah. Ouah, c'est quoi ce bus là? Ouah. Ouah. C'est fuck. Ouah. Attends, mais faut qu'on... Vas-y, faut qu'on monte dans l'appart là, parce que c'est pas possible. Vas-y, on va dans l'appartement, vas-y. Y'a le bus magique qui nous suit, frère, il va même arrêter. Mais attends, mais... Wouah, ce délire, là? C'est quoi ce bus qui... Il vient d'arriver en ville, tout le monde veut nous tuer, quoi. Non, je crois qu'il nous a drogué, le gars. Viens. Wouah. Il nous a drogué, hein. Je suis sûr qu'il nous a drogué, le gars. Viens. Et il y avait quoi dans les sacs? T'as même pas regardé? Il y avait vraiment de l'argent ou pas? Je sais pas, je crois qu'il nous a marabouté. Bah vas-y, mais j'ai pas les clés là, comment c'est on fait bon, pour c'est y bon, aller. C'est bon, j'ai acheté moi. Vas-y. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Vraiment, y a un gars, il me tire dessus. T'es rentré? Y'a un mec, il est venu armé, il m'a braqué, j'ai eu peur. Ouais, c'est bon, mais il m'a fait peur le mec. Hein. Ok, donc voilà l'appartement qu'on a eu.
pour 0$, les gars, c'est magnifique en vrai. Ouais, c'est magnifique. À la télé et tout. Par contre, j'ai hâte de voir le riche, son appartement, comment il est. Ok, on est en dessous de l'appartement du riche. Let's go pour visiter. Ouais, déjà, il a un garde du corps. Ah ouais, tu maltraites tes gardes du corps en fait. Il est viré. Il est viré. Allez, fais-nous visiter, mon pote. What the fuck? Waouh. Alors, la première, c'est une Aston Martin. Et c'est le premier garage, ça seulement. Année 80. La deuxième, wow, c'est une Ferrari. Année 70. La troisième, c'est une Lamborghini. Année 2025. Et la dernière, c'est une Nissan GTR, GTD, GTI. Ouais, parce qu'en fait, j'ai dit, mettez-moi les trois. Attends, mais t'as vu sur quoi là? Ah ouais, t'as vu sur la Maze Bank et tout. Oh, ah, regarde les véhicules en haut, Edwin. Regarde, les gars. J'arrive. Wow. Ah ouais, mais ah, en fait, t'es en place quoi. Ah ouais, il a deux tout, hein. Alors là c'est les cacahuètes. Ça c'est pas ça, je la connais cette voiture. C'est pas ouais. c'est la Camaro, voiture qui chante. Ouais, c'est pas la voiture qui chante. Je veux une femme like you. Exactement. Like you. Yes, ah. M'appelle comment? Wow. C'est oh, bah, regarde, viens voir. En fait, wow. Le mec est riche quoi. Le mec est blindé. Wow. Ah ouais. 4x4 et tout. Tu sais que ça, c'est que son premier garage. Hein. Il en a 2, 3 après. Attendez. Là, vous regardez les véhicules. Mais regardez par ici. Ouais, vous savez ce que je suis capable de faire? Ouais. Je suis capable, et je suis le seul au monde à savoir le faire, je suis capable de jouer de la guitare avec mon... Ouais. Ouais. On veut pas voir. Il est malade. Alors, on veut bien visiter ton appart, par contre, parce que là, du coup, c'est le garage. Ouais, ok. Et tu veux pas voir les autres garages, du coup, t'en fous. On regarde que l'intérieur. Voilà. Non, allez, je vais vous montrer l'appart. Oh, viens. Regarde, on peut changer de vêtements ici. Ok, bon, on peut changer de vêtements, on peut faire des... C'est pas mal. Attends, moi, je vais me faire une chicha. Regarde la tenue. Oh, regarde ma tenue. Quoi? Mais pourquoi t'as ça dans l'armoire, toi? Je sais pas, il y avait ça dans l'armoire. Attends, moi, si, je vais essayer de regarder ici, il n'y a pas une tenue. Attends, bouge pas. Ouais, klaxon. On peut boire une bière? Attends, je bois une bière et j'ouvre. What the fuck? T'as pas entendu quelqu'un qui sonne? Non, j'entends pas. Je te jure qu'il y a quelqu'un qui va te sonner. Attends, je vais regarder, il y a une autre tenue ou pas? Ah oui, il y a une autre tenue. What? Attends. What? Ça sonne, je vais les faire rentrer. Regarde la tenue, ils font des soirées bizarres ici. Hein. Allez-y. Oh, regarde. Allez-y, vous pouvez rentrer. Bah, oh putain, c'est lui encore. C'est le riche. Ouais, les bolos. Et vous m'avez pas payé là. On fait une soirée là. Hein? Vous m'avez pas payé? Comment ça? Hein? Tout à l'heure, je vous ai vendu un tour de magie noire. Ouais? Waouh! Waouh, il s'est passé quoi là? Ouais, je fais de la magie. Non, mais non, on va te payer, t'inquiète, on va te payer. Hein. Alors vous me payez quand? Bah, là, tu veux combien? Waouh! Vous allez me payer maintenant! Mais nous, on te donne tout ce que tu veux, genre! Bah, payez-moi! Bah, tiens! Bah, tu veux quoi? Bah, payez-moi! Bah, vas-y, je te paye! Ok, mets-toi un 4 pattes! Attends, je. donne-lui 10 000! 10 000, ça vous va? J'ai pas, c'était toi qui a en fait! 10 000? Ouais, 10 000 quoi, ça dépend! 10 000 dollars! En dollars ou dans quelle monnaie? Bah en dollars. Ouais, mais dans quel dollar? Bah en dollars américains. En dollars en monnaie ou... Mais vas-y, il y a trop là. Ah, en dollars, dollars. Ouais, mais quel dollar? Bah le dollar. Ouais, mais en quel dollar? Hey, sous notre gueule. Je me sens pas bien, gros. Je me sens pas bien. Dollar canadien, dollar américain. Qu'est-ce que t'as fait à mon pote? Ah. C'est de la magie. Attends, tu fais le malin? Vas-y, je fais une danse native, accepter. Malin. Est-ce que t'acceptes si je fais ça ou pas? Regarde, est-ce que t'acceptes ou pas? Ah, voilà. Allez, t'as pas un atelier de customisation aussi? Exactement. Waouh. Ah, ouais. Il donne quoi, s'appelle Clotilde. Ben, elle s'appelle Clotilde. Salut Clotilde, ça va?
Ou Mathilde. Non, je sais plus. Je crois que c'est Mathilde. C'est magnifique. Le marbre et tout, ouais. En fait, être riche, quoi. C'est ça, quoi. Dans la peau d'un riche, quoi. C'est tout blanc. Genre, On aurait de visiter votre maison, monsieur. Enfin, votre appartement. Ouais, alors le sol, c'est du bambou. Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Les murs, c'est du satin. C'est quoi ce truc-là, là, qu'il y a, là? Ouais, c'est quoi là, ça? Là, il y a de l'argent. Ah, tu peux ouvrir, il y a de l'argent. Et là, à côté, là? Wouah! Je cache des billets. Oh, vas-y, prends. Non, mais attendez, parce qu'il faut quand même que je vous explique d'où je les ai eus. Ouais. Oh, c'est ça. J'ai acheté 1700 Monopoly dans tous les magasins de la région et j'ai mis tous les billets à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais, en fait, c'est malin. Eh, c'est quoi ça? Regarde la porte et tout. Alors ça, c'est une porte... Regarde, il y a des télévisions posées. Ah ouais. Non, c'est pas des télévisions. Oui, qui s'en sert pas. Ah ouais, il est en place. C'est pas des télévisions, par contre, hein. Je peux vous dire ce que c'est ou... Salle de bain et tout, ouais. C'est des téléviseurs. Non, c'est des télés qui visent, quoi, en fait. C'est ça, la salle de bain. Non, alors ça, c'est pas une salle de bain. Ouais, c'est la salle de bain. Parce qu'il n'y a pas de bain, c'est une salle de douche. Ah, d'accord. Okay. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Et attends, t'as un atelier truc, il y a un bouton dans l'ascenseur, j'ai vu. Atelier de customisation. Attendez, j'ai mis Eden Corp sur le mur, hein, je vous ai pas dit. C'est parce que le fils du fils, d'un ami. Ouais, le fils du fils du fils d'un ami s'appelle Eden. Eden Corp. Mais l'atelier de custom et tout, mais what the fuck. Ouais, mais abusé. Genre t'as un assistant comme ça qui est là qui te pose des trucs, quoi. C'est ça. Mais alors visuellement, elle s'appelle comment, elle, du coup? Elle s'appelle Jeonsu. D'accord, enchanté Jeonsu. Voilà. Jeonsu. Magnifique. C'est incroyable, c'est magnifique. Il a un garage spécial moto. Ah oui. Ouais, non, c'est un... En fait, j'ai... Non, au dans garage. Ce garage. Non, mais attends, dans ce garage, j'ai pas une moto, hein. Ouais, t'en as plusieurs, quoi. Non, j'en ai 1000. Regarde, viens voir. Regarde ce qu'il a. Il a le pote le plus connu d'internet. Regardez, venez voir. Un pain, là, c'est le deuxième. Et avant, troisième et un. Le quad des racailles. Ah oui. Ah, t'as un karting et tout. Ah ouais, mais t'es là, toi, en fait, cette année. Non, mais en fait, j'ai une machine qui permet de rapetissir les véhicules. Et du coup, vous êtes en train de marcher dessus, là, mais il y en a 1000. D'accord, ok. Magnifique. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va passer... Parce que là, tu nous as dit que t'allais acheter un nouveau véhicule, c'est ça? Oui, je vais acheter un Cargo Zentorno. D'accord. Eh ben, écoutez, on se retrouve, du coup, pour l'achat des véhicules à de suite. Alors du coup la salle. Ouais. Alors eh ben écoute, je t'invite à acheter ta voiture. Nous on a 100 000 de budget parce que comme je t'ai dit, on a eu l'appartement à 0$. Alors. Ouais. Attends, on peut acheter quoi comme voiture? Alors, on peut acheter un vélo, c'est encore moins cher s'il faut même. Je serais toi, on aurait acheté un vélo, ça suffit amplement, hein. Ah, on a 100 000. On a un bon bénéfice sur le. Ouais, mais au moins comme ça, les 100 000 on les investit autre part, tu vois, genre. Business is business. Un vélo, on va pas se déplacer en vélo dans toute la ville, t'es fou. Bah, genre, je connais un grand sage qui l'aurait fait, hein. Là, on a une Regina à 8000. Ou alors, on peut se prendre une... Bah, après, on a 100 000, hein. Il y aurait 100 000, les gars, donc 8000, il y restera 92 000. Il y a à 5000. Ouais, il y a mieux, il y a une motocross et tout, 7000. 7000, on en prend une chacun. Le quad. Vas-y. Vas-y. Allez, une chacun, donc du coup, il ne restera plus que 14 000, les gars. Enfin, on a dépensé 14 000, il nous reste 86 000. Ok. Vas-y, parfait. 86 000. Du côté de la salle, bah, je pense que vous avez vu ce qu'il a acheté. Je sais pas ce qu'il a acheté exactement. Bon, du coup, pour l'appartement, comme on vous a montré à peu près tout à l'heure, voilà, il n'y a rien de ouf dans cet appartement. Je pense que du côté riche, ça doit être pas mal. On peut strictement rien faire, hein, à part boire une bière, comme vous avez vu, s'asseoir, changer de vêtements, s'asseoir, on peut s'asseoir. On a des photos, c'est même pas des membres de notre famille, enfin ouais.
On peut s'asseoir. Bon, après, 0$, ça va, quoi. Je trouve quand même 0$. Moi, tu me donnes un appartement comme ça, 0$, je le prends, quoi, hein, sans pression. Ouais. Bah, du coup, c'est parti. On va montrer les véhicules qu'on a achetés. Allez, let's go. Allez. Et vous avez acheté? Donc, je rappelle, il nous reste 86 000$ parce qu'on a eu l'appartement gratuit. Et on est dans le garage de l'appartement. On peut mettre deux motos. Donc, du coup, on a mis deux motos. La mienne et celle d'Eden. Donc, c'est pas mal. Bah, vas-y, bah, monte avec moi au pire. Vas-y, je t'attends dehors. Vas-y. Je t'ouvre le garage. Vas-y, je veux sortir. Allez, hop. J'arrive tout de suite. Du coup, c'est parti. Bonsoir. Bah voilà, c'est parti avec ta moto quoi. Bah écoute, on va aller voir le riche. Qu'est-ce qu'il nous a acheté comme véhicule, le riche? De toute façon, il peut acheter tout ce qu'il veut. Lui, limite, il peut acheter les véhicules en or. Il est bien. Le riche, où es-tu? Monsieur Lassalle. Je vous attends. Du coup, toi, t'es aristocrate, c'est ça? C'est ça. Eh bah écoute, c'est toi qui as créé les aristochats, du coup. Ouais, exactement. Ah, c'est comme ça que t'as fait fortune en fait. Ouais. Bah. Ouais, je vous avais dit, mon père, vous savez pas qui c'est, hein. Regardez. Magnifique. Ouais. Ah ouais, mais t'as acheté combien, la ça, rue ça aussi combien, ou. 1 million. Ah, mais attends, million. T'as acheté la rue aussi ou... Ouais, c'est ma rue ici, hein. Donc je garde mes véhicules à l'extérieur, sur la route. Ouais. Ah ouais, il fait le moulin ou... Ah ouais, t'as des sacrés véhicules en fait. Ah oui, bah effectivement, c'est une petite collection extérieure, hein. Vous avez pas vu l'intérieur. Ah, on aimerait bien être à ta place. Bon bah du coup, au niveau véhicule, voilà tout ce qu'on a. Bon, du côté pauvre et du côté riche, hein, vous avez vu. Ok, c'est parti les gars. Direction le magasin. Eden, il nous reste 86 000. Donc on a à peu près 43 000 chacun. On peut se faire plaisir, hein, en vrai. Ouais. Voilà. On peut se faire plaisir. Attends. Moi je vais voir les tenues qu'ils proposent sur le mannequin. Tu sais, je m'habille comme le mannequin. Ouais bah oui bah oh, putain 86 enfin on a rien en fait, on peut rien acheter 46. Si, il y a des costards quand même, pas mal. T'abuses, 7700 ça va. Où des ça costards, y a des beaux costards. Attends, faut pas mettre la même. Bah tenue standard et tout, t'as quand même des petits trucs hein. Ah ouais. Ça dépend, tu veux qu'on s'habille comment? Bah je pense des contracts un peu, genre faut qu'on fasse un peu les. Ah ouais, il y a des tenues à 2000 et tout quand même. Mais j'ai envie de mettre une petite tenue quand même sympa. Ouais, bah dans ce cas-là, on peut mettre... Tenue de luxe. C'est un peu cher quand même, 50 000. Après, on doit dépenser tout le budget. Hein. Ah, on a oui, 86 000 à dépenser là dans la tenue, puisque l'appartement, on l'a déjà acheté. Donc là, en gros, on peut se mettre max, quoi. Bah écoute, moi, je pense que je vais prendre ça, c'est pas mal, j'aime bien. T'as quoi comme pareil? Bien, on se prend celle-là, non là, mais je vois pas. Dans tenue lowrider. Tenue lowrider, la combien? La plus bas que bas. Ouais, mais donne-moi le numéro. 1, 2, 3, 4, 4, plus bas que bas. Et bah, je l'ai pas, donc je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas. Et bah, écoute, bah, mets-toi une tenue et dis-moi le prix que t'as acheté. Moi, 24 000, du coup. On peut se faire plaisir, 65 000. 65 non, bah, 000, il te reste 86 moins 24, il te reste. Ouais, il doit te rester 60. Il te reste 60 000. Ouais. Bah vas-y, je vais prendre celle-là, je la trouve stylée. 24 354. Allez. Et vous voulez quoi? Ah bah c'est la même. Bah voilà. Vous avez besoin d'autre chose? Yeah. Ah, le riche. Ouais, comment que c'est le riche? Ah, c'est mon magasin ici. Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, on t'enrichit quoi. Sachant que t'es déjà... Exactement. Riche. Toute la rue est à moi. Et du coup, c'est quoi ta tenue toi? Moi, j'ai pas de tenue. Ah ouais. Ah ouais, en fait, tu peux, c'est le magasin quoi, tout est à toi. Mais comment ça t'as pas de tenue? Attends, parce que y a un mannequin, il a les mêmes vêtements que toi. Regarde. Mais tout est à moi. C'est chelou. Presque, hein. Il a un peu des sourcils de Pascal Obispo. Ah bah attention, après c'est... Pascal Obispo. Salut Pascal. Après, c'est pour le faire après là. C'est... Pascal Obispo. Salut Pascal. Pas mal. Attends, je vais me changer. Ah, parce que là, t'es pas crédible en Pascal Obispo. Hein. Ah, mais après, j'aime bien. Ok. Eh ben écoutez, les gars, je pense qu'on va cesser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez l'épisode 2, dites-moi-le en commentaire. Exactement. Pouce bleu, abonnez-vous.